je vous ai expliqué que les quiz, c'était vraiment important tout au long de la journée. Pourquoi ? Parce que justement, on avait des chiffres. Alors certes, on ne gagnait pas grand-chose, si ce n'est que la connaissance de chiffres qui en disent long sur l'entrepreneuriat. Avec une première question. Entre 2015 et 2019, quel pourcentage de diminution du nombre d'ingrédients dans les recettes des nouveaux produits alimentaires, à votre avis ? 20% ou 70%? C'est 20%. Le consommateur fait de plus en plus attention à la composition du produit qu'il achète. C'est une tendance, vous l'avez vu, notamment pendant cette crise sanitaire. Deuxième question, combien d'entreprises ont tourné à plein régime pour continuer de nourrir les Français pendant cette crise sanitaire? Est-ce que c'était 7000 ou 12000? Pardon, 17000 ou 7000? C'était 17000 entreprises, soit 1,2 million de salariés qui ont continué à tourner à plein régime pendant 8 semaines, les 8 semaines de confinement. 3. Quel outil technologique de pointe commence à être utilisé dans le secteur agricole? Est-ce que c'est le drone ou le data? C'est le drone. Les capteurs présents dans ces engins permettent très rapidement de déterminer les besoins dans certaines cultures, c'est-à-dire le besoin d'eau, d'engrais, mauvaises herbes. Ça, les agriculteurs, c'est ce qu'ils connaissent très très bien. Petit 4, quelle est la part des terres agricoles sur le territoire français? Est-ce que c'est 25% ou 50%? Personne répond, c'est 50% du territoire national qui est occupé par des terres agricoles. Ce qui fait de la France la première puissance agricole d'Europe. Ce n'est pas rien. Je rappelle, 50% des terres agricoles. Dernière question, quelle pourrait être l'alternative à la viande les années à venir? Est-ce que c'est le végétal ou les insectes? Alors là, c'est facile pour les adeptes du big, hein. Ceux qui ont vécu le Big 3, notamment ici à l'Accor Hôtel Arena, le savent, ce sont les insectes. Ils sont très riches en protéines et ils pourraient nourrir la population en croissance. Et oui, on nous a fait manger des cafards ici et d'autres insectes. On a tout vécu dans ces éditions du Big, du BPI France, Innogénération. Ça se passait ici, ça se passait à l'Accor Hôtel Arena.